Salut à tous les amis, c'est Matt 2.0 et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo build battle avec Luc 2.0. Donc c'est un peu un thème chinois, japonais, comme vous voulez, on peut faire un temple, voilà. Donc c'est parti. Donc déjà les amis, je pense que vous savez à peu près à quoi ressemble une maison, voilà, un peu shintok, sans être un peu arrogant. Donc alors. Je connais à peu près des couleurs qui font un, on va dire un, je crois, un bon ensemble. Ouais, à part un détail ou deux, on va dire que ça va. Donc là, je viens un petit peu d'avancer, donc j'ai trouvé une sorte de thème que j'ai trouvé une sorte de thème. Alors du coup, le truc que je vais faire. C'est que je vais mettre ces escaliers, une là, une là, une là et une là, dans tous les côtés. Bon, faut que je fasse un truc un peu plus symétrique, un peu plus grand, parce que j'ai pas vraiment fini. Donc après, voilà, je vais faire le gros temple au milieu, je vais peut-être faire des sortes de sakura sur les côtés. Et puis voilà, donc je vous reprends quand j'ai fait le principal. On va dire que c'est déjà mieux. Bon. Alors, les amis, donc. J'ai fait un peu du hors caméra, bon, un tout petit peu, genre peut-être 5 minutes, même pas. Et donc j'ai pu avancer un tout petit peu. Et là, je suis en train de mettre des lumières, comme vous pouvez voir, pour que ça donne vraiment un effet sympa. Donc les gars, je viens de faire les quatre coins avec les escaliers comme ça, là je viens de terminer, voilà. Donc là je vais commencer le temple et puis je terminerai par les sakura. Donc à tout de suite. Donc là je viens de terminer les fondations, faudrait peut-être que je mette des trucs ici, voilà, parce que ça fait un peu vide en dessous, voyez-vous. J'ai juste mis ça en mode ça tient le truc, un minimum de réalisme. Et là bah, je suis en train de commencer, voilà, toutes les fondations, donc pour l'instant ça va, en vrai ça va. Parce que moi j'hésite entre deux blocs. Parce que celui-là pourrait peut-être être très très beau aussi. Et vu qu'on est un peu dans le thème asiatique, japonais, tout ça, machin, je me suis dit que le jaune, peut-être que ça rendrait mieux. Donc ça passerait mieux. Voilà ce que ça donne pour l'instant. En vrai, je suis fier d'avoir choisi cette. Donc les amis, là j'ai très très bien avancé sur la maison. Alors attendez, je vous montre un peu. Regardez-moi ça, c'est pas magistral. Pour l'instant c'est vraiment stylé, hein. Enfin, pour moi c'est un bon commencement, on va dire. Oh merde, ça met des blocs en dessous. Donc bon, le toit c'est pas du tout ça, c'est que là j'ai fait un modèle, je continuerai le modèle après, donc. Donc voilà, pour l'instant c'est assez agréable à regarder. En fait ici ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de, bon pas une montagne, mais en mode c'était avant une montagne. Que je vais faire des espèces de collines ici, un peu stylées en pierre là, avec des cascades. Et puis bah voilà, donc à tout de suite. Donc les gars, je viens de terminer le toit, alors dites-moi un peu ce que vous en pensez. En vrai, c'est un peu bizarre, mais en vrai il y a beaucoup de détails en vrai. Bon, mais pour l'instant, voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas mal. Vous me direz de ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. C'est pas ultra symétrique. Genre, bon, par exemple, je vais vous donner un exemple en vous montrant déjà le dessus. Et si vous regardez en vous concentrant un petit peu, vous voyez que ce côté-là n'est pas du tout le même que ce côté-là. Déjà, donc ouais, c'est pas ouf niveau symétrie. Mais bon, après, ça, à la limite, bon, on s'en fiche pas non plus, mais. Voilà, pire, voilà, ça. Voilà, tant pis. Donc là, les amis, on va faire le reveal des builds. Voilà. Donc voici mon build. Ah oui. Donc là, j'ai mis des bambous, j'ai mis des petites rivières et tout. Donc là, voilà un peu le tour. T'as vu, j'ai fait des espèces de petits rochers là avec des espèces de l'eau qui coule. Non, c'est sorti de mon crâne, je te le dis. J'ai jamais regardé de tuto sur ça. Hein. Jamais. C'est sorti de ma tête. Ah bah oui. Bon, c'est un peu petit, mais en vrai, ça va.
J'ai mis des fleurs sur le côté. Et attends, viens où je suis. Je suis là. Donc là, on entre. Nous avons des armures de samouraï ici. Ici, on a des espèces de meubles un peu stylés, ici aussi. Là, on a des voilà des rangements. Là-dessus, on prie avec le Bouddha en or, là. Tu sais, des fois, je sais pas si c'est quelque chose. Je vois. Donc là, il y a ça. Là, il y a des petites tables pour Graille. Et là, t'as vu le style ici au milieu? Au milieu, là, le gros truc. Ça, c'est... Voilà, ouais, c'est... Franchement, tu build la bien. Limite, tu m'as dépassé. Ah bah là... Et le toit, qui est un peu trop de détails à mon goût, mais... Oh, c'est vrai que... Wow, il est incroyable. Ah ouais, là, c'est plutôt pas mal, on va dire. Je pense que voilà, j'ai perdu. Tu penses? Ah bon, on verra. Et aussi, bien sûr, dans les commentaires, et je ferai aussi, bien sûr, un vote dans les... Un vote, et puis vous direz quel build a gagné pour vous, enfin, selon vous. Et puis, voilà. Je mettrai un sondage, voilà. Je ferai un sondage et puis vous mettrez combien de pourcents on gagne. Je ferai un post pareil pour voter si ma construction ou celle de Math 2.0 c'est la meilleure. Donc voilà. Ouais, donc, voilà. On va se TP à ma construction. Ouh ah, c'était quoi, c'était moi. Ah, voilà. Pas mal. Eh, c'est stylé. Après, c'est quand sympa, même. Mais... C'est sympatoche. Oh. C'est après... Oh, c'est quand même pas mal du tout, là, ce que t'as fait. Waouh. C'est vrai, c'est pas mal, mais bon. Ouais, ouais, moi, je trouve ça pas mal. Waouh. Là, t'as des minerais et tout. Par l'intérieur, je l'ai fait vite fait, mais... Voilà. Là, oh, ça j'aime bien ça. Tu vois, j'avais pas pensé, mais j'aime bien. Waouh. Là, juste les chaises, on dirait un peu une église. Frères et sœurs, nous avons perdu Lucette il y a 2 jours. C'est un peu ça, mais bon. Bah moi je trouve que c'est stylé hein, pour ma part en tout cas. Après moi je trouve que c'est bien mais voilà, je sais pas si c'est développé l'intérieur tout ça. Peut-être. Enfin, l'extérieur ouais. Ça. L'extérieur c'est vrai que c'est stylé l'extérieur. C'est vrai que le toit après il est bien mais ouais. Après voilà, son seul défaut au toit c'est qu'il n'est pas ultra symétrique. Dommage que j'ai pas trop eu le temps de développer l'intérieur. Dans les commentaires, dites-nous quel est le meilleur build. Et puis bah voilà, celui qui gagne, bah il gagne, c'est logique, hein, il va pas perdre celui qui gagne. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, de liker, de partager, de commenter, bien sûr, bien évidemment, de vous abonner, subscribe. Et puis bah c'était Math 2.0 et Luc 2.0 et on vous dit ciao.